le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est que nous sommes dans des temps perturbés. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop où on veut nous emmener. Enfin, en tout cas, dans cette dimension où nous faisons une expérience. Donc, si vous voulez ne pas avoir peur et ne pas être en conflit, montez vos énergies, votre vibration et montez au-dessus de tout ça. Mais pour ceux qui sont encore ici et qui sont encore indécis, je viens pour vous parler de ce 21 mai où il se prépare un déconfinement, ou pas, on ne sait pas encore. Peut-être que nos dirigeants vont encore changer d'avis. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et au contraire, le ministre de l'Éducation va de plus en plus dans ce sens, en donnant des consignes pour les enseignants, les élèves, etc. Alors, si vous croyez encore à ce système, je vais vous donner deux, trois petites infos qui pourraient peut-être vous faire poser des questions. La première, c'est l'OMS. L'OMS, il y a beaucoup de pays qui se retirent de l'OMS, dont les États-Unis, qui ne subventionnent plus l'OMS. Parce que tout ce que nous dit l'OMS, alors je ne veux pas dire tout, mais une grande, grande, grande partie de l'OMS, les chiffres qu'ils nous annoncent sont faux. Tout est faux. C'est une vaste fumisterie. Il y a l'ONU aussi. L'ONU. Des plaintes ont été portées contre l'ONU pour actes de pédophilie sur les enfants. Je vous rappelle que l'ONU, c'est quand même un système qui est là posé pour apporter la paix dans les pays. Et dans tous les pays où se trouve l'ONU, il y a la guerre. Il faudra qu'on m'explique comment ça se fait depuis le temps. Ils n'ont pas encore arrêté les guerres alors qu'ils sont là pour ça. Bon. L'UNICEF. Ah, l'UNICEF. Grand organisme de l'UNICEF qui est là pour aider les enfants du monde entier, les gens qui meurent de faim, etc. Mais que se cache-t-il derrière l'UNICEF ? En dehors de tout ce que vous disent les journaux en disant qu'ils aident, donner à l'UNICEF, donner à l'UNICEF. Je connais des gens qui travaillent à l'UNICEF et qui sont basés sur des pays d'Afrique, ben là où ils ont le plus besoin en fait. Et j'aime autant vous dire que l'argent que vous leur envoyez, il ne leur arrive jamais. Ils sont obligés de se battre et de vivre au quotidien avec ben, ce qu'ils ont sur place en fait, pas grand chose. Voilà. Votre argent à l'UNICEF n'arrive jamais. Et pas plus que pour l'Organisation Mondiale de la Santé. Alors, pour information comme ça, il y a quand même Monsieur Bill qui est derrière, hein, Buffalo Bill qui est derrière, et qui veut à tout prix faire vacciner des enfants qui sont dans le tiers-monde. Forcément, c'est un pays pauvre qui ne peut pas se battre. Donc, qui sont dans le tiers-monde. Et ces enfants, de source sûre, via le médecin personnel de ce cher Bill, ces trois enfants ne sont pas vaccinés, ils sont en excellente santé et tout va bien. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que ce cher Bill veut faire vacciner les enfants du monde entier, hein, et que les siens ne le sont pas ? Posez-vous la question, je ne sais pas. C'est peut-être intéressant à savoir si vous allez chercher. Vous avez aussi, alors là je reviens en France, vous avez la PMI. La PMI, il faut savoir que la PMI, ce ne sont pas des vrais médecins. La PMI, c'est des médecins qui ont foiré quelque chose quelque part et qui n'ont pas trouvé d'autres moyens. Vous ne trouverez pas de médecins de PMI, des médecins hospitaliers, oui, dans une PMI. Pas plus que des médecins
libéraux dans une PMI. Non, vous n'en trouverez pas. Les médecins de la PMI ne sont pas, d'ailleurs, pour la preuve en est, les médecins de la PMI n'ont pas le droit de vous faire d'ordonnance. Si ça avait été des vrais médecins, ils vous auraient fait des ordonnances. Les médecins de la PMI n'ont pas le droit de vous faire des ordonnances pour soigner vos enfants. Quand vous avez un problème avec votre enfant, vous l'emmenez à la PMI vous dit votre enfant a ci, votre enfant a ça, vous êtes censé aller voir votre pédiatre ou votre médecin traitant pour le faire soigner. Donc à quoi servent les médecins de la PMI? Je vous le demande. Hein? Un suivi, n'importe quel médecin peut faire un suivi médical sans la PMI. N'importe quel pédiatre peut faire un suivi médical sans la PMI. Vous n'avez absolument pas besoin de la PMI. La PMI n'est là que pour prendre des informations sur vos enfants et les donner à qui de droit, de façon à savoir si votre enfant est bien soigné, si vous lui avez bien fait tous ses vaccins, s'il rentre bien dans les cases en fait, de l'organisation de la santé. Et voilà à quoi ça sert. Ce que je veux vous dire, moi, là, pardon, excusez-moi, ce que je veux vous dire, ce n'est pas pour vous alarmer, c'est juste pour vous dire que si vous voulez voir changer les choses, il faut que vous commenciez vous-même à les faire changer, c'est-à-dire à lancer des graines, excusez-moi. Pollen n'aide pas. Donc il faut que vous lanciez vos graines vous-même, c'est-à-dire faire de la désobéissance. Plus de PMI, niette. Vous ne faites plus confiance à qui que ce soit. Les vaccins qu'on vous propose avant de vous faire vacciner, j'ai vu sur Facebook, sur des sites relativement sérieux, où vous pouviez faire de la désobéissance sans rentrer en conflit. C'est-à-dire que quand on va vous faire faire le vaccin, si jamais on vous oblige à faire le vaccin, vous allez voir votre médecin avec ce certificat spécifiant tout ce qu'il y a dans le vaccin et vous lui faites signer le courrier qui va avec en disant que il reconnaît qu'il vous fait un vaccin, il reconnaît tout ce que cela peut impliquer, mais qu'il vous le fait quand même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez ce certificat du médecin avec sa signature, quoi qu'il arrive à votre enfant plus tard par la suite, vous pouvez toujours vous retourner contre votre médecin. Ça sera un charlatan en moins déjà. Parce qu'un médecin qui sera honnête ne vous signera jamais ce papier. Jamais. Parce que soit il ne le sait pas et il apprendra, soit il le sait et il ne voudra sûrement pas se retrouver devant les tribunaux. Donc il ne vous signera pas ce papier s'il a deux doigts du jeu. Tout ça pour vous dire que donc nous approchons de la date chaque jour, nous approchons de la date fatidique du 21 mai, donc déconfinement, petit à petit certes, mais déconfinement quand même. On parle de seconde vague concernant le virus, si seconde vague il y aura, ça sera à ce moment-là, ça sera au moment de la reprise scolaire. Et ça, vous avez... les médecins, vous avez les enseignants, vous avez plein de monde qui refuse. Il y a des pétitions sur Internet pour refuser, non pas le déconfinement, mais que les enfants aillent à l'école à ce moment-là. Parce qu'il est bien évident, pour ceux qui ont deux doigts du jot, il est bien évident qu'un enfant de 0 à... 13-14 ans, ne fera pas les gestes barrières, ne mettra pas de masque, quoique de nos jours le casque peut être bien aussi, hein, ne mettra pas de masque. Et forcément qu'il ira s'amuser avec les jouets du copain. Donc il n'y a aucune sécurité à mettre vos enfants à l'école en ce moment, aucune. C'est là qu'il faut lancer la désobéissance citoyenne et refuser de mettre vos enfants à l'école. Pendant 2 mois, vos enfants se sont très bien sortis, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire à l'école, les devoirs, ils les ont fait à la maison, à leur rythme, sans stress, sans rien, tout va bien.
S'ils l'ont fait 2 mois, ils peuvent le faire plus longtemps. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, tout ce qu'on peut vous raconter au niveau du gouvernement, c'est du n'importe quoi. Et c'est surtout pour vous emmener vers des terrains que eux veulent vous voir arriver et non pas bon pour vous. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est plus du niveau spirituel. Donc, à savoir que la lumière en ce moment évolue. On reçoit plein d'énergie, plein de choses qui nous perturbent à l'intérieur et à l'extérieur, qui nous poussent à penser, qui nous poussent à voir les choses autrement. Alors, à savoir que l'ombre a perdu de la marge. Je voudrais pas dire qu'elle a complètement perdu parce que tout dépend de vous, de nous. Voilà. Donc, mais elle est en train de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul et elle est en train de perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, le fait de reprendre l'école le 11 mai, à partir du 11 mai, c'est aussi une façon pour eux, et là je vous parle du côté spirituel, c'est aussi une façon pour eux de retrouver comment vous dire, de la nourriture, de la chair fraîche. Vous pouvez être sûr que si vous mettez vos enfants à l'école, à partir du déconfinement, vous allez avoir des enfants qui disparaissent encore plus. Et Dieu seul sait qu'il y en a qui disparaissent parce que jusqu'à maintenant, on a compté 10 000 enfants qui disparaissaient par an. 10 000 enfants qui disparaissaient par an et qu'on ne retrouve pas, hein, qui n'ont jamais donné signe de vie d'une façon ou d'une autre. Il faut savoir qu'il y a aussi la fondation d'Hillary Clinton qui, elle, Pizzagate, hein, si tout le monde en a entendu parler, je pense, qui est dans le lot. Donc, attention à vos enfants. Attention, parce que vos enfants sont pour eux de la chair fraîche, de la chair dans laquelle ils peuvent se nourrir de façon à leur apporter de la force. Et c'est pour ça qu'ils veulent que y ait un déconfinement de façon, premièrement, qu'ils puissent se nourrir en capturant vos enfants, en les enlevant pour une raison ou pour une autre. Alors pour ça, ils feront appel à des institutions gouvernementales pour venir taper chez vous et venir prendre vos enfants pour les mettre soi-disant en sécurité. Faites attention à ça. N'acceptez jamais qu'un organisme de l'État vienne chercher vos enfants chez vous. Faites très attention à ça. Faites attention aussi à ceux qui les mettront à l'école. Ils peuvent vous les vacciner sans que vous le sachiez et sans carnet de santé. Hein? Parce qu'ils n'en auront pas besoin du fait que votre enfant sera vacciné, il sera pucé et on pourra voir que votre enfant a été vacciné. Donc plus besoin de qu'il y ait une preuve sur le carnet de santé. Bon, après, il y a d'autres façons que vous pouvez gruger aussi avec le carnet de santé. Ça, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours me contacter et venir me voir en MP. J'ai deux, trois informations là-dessus. Bref, quoi qu'il en soit, faites très attention à ce qui se passe en ce moment. C'est un moment charnière. Alors, il y aura peut-être ou pas. Tout dépend de nous. Il y a peut-être ou pas une chance que cela puisse arriver. Ne laissons pas une chance à cette chance d'arriver. Faisons tout pour que cela n'arrive pas. Donc, mettons tout en œuvre pour que ça n'arrive pas. Faites valoir, mettez-vous en grève, faites valoir votre droit de retrait, faites tout ce que vous voulez, mais évitez de mettre vos enfants à l'école, s'il vous plaît, pour leur bien. Pour leur bien. Et puis, de par le fait, pour le vôtre aussi, parce que c'est très, 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 très important et c'est grave ce qui arrive. Après, soit vous n'y croyez pas, vous faites ce que vous voulez, hein. Soit vous n'y croyez pas et vous dites que c'est de la vaste mystérie, ce que vous avez tout à fait le droit parce qu'il n'y a absolument aucun jugement. Moi, je vous interpelle sur le fait que, et je vous apporte des conseils vis-à-vis de mon vécu, vis-à-vis de ce que je sais et des informations sûres que l'on m'apporte. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez ou pas.
Chacun fait vivre sa réalité en tant que co-créateur ou créateur de sa vie. Chacun fait vivre sa réalité. Il suffit de faire élever vos énergies, vos vibrations, et tout se passera pour le mieux du monde. Mais pour ça, il faut lancer des graines. Vous êtes, même si on est en 3D, on peut partir, hein, et remonter nos énergies et aller au-dessus. Mais en 3D, il y a des choses à faire. Donc, vous ne pouvez pas évoluer de la même façon qu'en 5D. Ceci dit, vous pouvez lancer des graines, vous pouvez faire de la désobéissance citoyenne. Et ça, il y a des articles de loi qui peuvent vous aider de ce côté-là et qui peuvent vous aider et vous prouver que, en fait, ce que je vous dis ne sont pas des racontars. Je ne vous mettrai pas de lien, parce que de toute façon, vous ne les regardez pas, ça ne sert à rien. Donc, je ne vous mettrai pas de lien. Si vous mettez en doute ma parole, ce qui ne me dérange absolument pas, et surtout, faites-le, mettez en doute ma parole. Je vous invite à mettre ma parole en doute et à aller chercher par vous-même. Alors, sur Google, vous avez toutes les informations nécessaires. Par contre, je vous conseille de bien chercher, parce que forcément, Google faisant partie du grand tout, enfin du grand tout, pas du positif, hein, mais du négatif. Les premières pages qu'on va vous mettre, ça va être des pages forcément qui seront, qui diront que tout était fake et que ce n'est absolument pas vrai, que vous pouvez faire confiance et patati et patata. Ça, c'est ce qu'on veut vous faire croire. Allez chercher, taper, poser des questions à Google, poser des questions jusqu'à ce que vous trouviez des réponses, mais les réponses qui vous conviennent et qui résonnent en vous. Moi, les réponses que j'ai sur Google, sur les premières pages de Google, ne résonnent que très rarement. Donc, je ne les prends pas, je vais chercher ailleurs. Quitte à aller chercher sur des sites étrangers comme les sites américains, les sites russes, ailleurs, partout, chercher partout. Mais ne vous fiez pas à ce qui se passe en France. Vous savez très bien que les frontières françaises sont opaques, que rien ne passe, ou très peu. Hein. On va se moquer des pays étrangers, mais nous, chez nous, tout va bien. La vie est belle, il n'y a aucun souci à se faire, tout va bien. Donc, je ne veux pas m'étendre sur des choses que j'ai dit déjà dans des vidéos précédentes. Je ne vais pas m'étendre sur des vidéos pour une vidéo que d'autres ont aussi dit de la même façon. Je veux juste vous dire de faire attention, de faire très attention, de faire vivre ce que vous voulez voir vivre et non pas de suivre aveuglément ce système, hein, parce que juste entre parenthèses, hier j'ai vu au journal que monsieur Macron, notre petit monarque, s'était rendu chez des horticulteurs, voilà. Et Monsieur Macron ne respectait absolument pas ni l'espace de 1 mètre. Il n'avait pas de masque. Et même s'il a salué, les gens en mettant la main devant le cœur, c'est tout ce qu'il a fait, parce que pour le reste, il n'a absolument pas respecté quoi que ce soit. D'accord ? Donc, à partir du moment où vous avez un soi-disant président qui déjà lui-même ne montre pas l'exemple, je pense qu'il y a des questions à se poser. Je pense sérieusement qu'il y a des questions à se poser. Quant à moi, bah, à partir du 21, selon comment les choses vont se passer, je ferai grève. Vous allez me dire, tu vas faire grève. Je fais grève. Vous verrez bien comment, je ne vous le dis pas maintenant, ça ne sert à rien parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer ou pas. Mais je ferai grève, voilà. Donc je crois qu'aujourd'hui et maintenant, il est vraiment temps de choisir votre camp. Pensez à vous, prenez soin de vous, portez-vous bien et n'hésitez pas à balancer des graines, désobéissance citoyenne, balancer des graines et choisissez votre camp. Bye.